Bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais pas encore eu l'occasion de filmer la Sweetie Box. Donc si en fait je l'ai fait, mais j'ai eu un problème de vidéo, donc je n'ai plus le carton hein, que j'ai déjà ouvert avec vous. Voilà. Donc la Sweetie Box du mois d'août, comme ça. Voilà. Très lourde dans son carton. Parce qu'en fait, avec la box, nous avions ceci. Donc c'est de la peinture. C'est de la peinture Morito, acrylique. Voilà. La peinture dans une box beauté. Bref. Donc, comme d'habitude, la petite carte. Donc My Sweetie Box, moi présidente, non aux 5 fruits et légumes et oui aux 5 produits cosmétiques. Donc très coloré, c'est normal, c'est l'été, c'est le mois d'août, on y va. Elle se présente comme ceci. Alors, on va tout faire tomber. Voilà. Là où l'on aime, il ne fait jamais nuit. Réveille ton home sweet home avec la peinture. Pourquoi? Je vous montre quand même. Oui, c'est sympa, mais après, voilà, de la peinture dans une box beauté. À ce moment-là, je m'abonne à déco ou je sais pas moi, truc exprès. Donc voilà. Le thème de la suite aujourd'hui, enfin ce mois-ci, c'est Pineapple Express. Donc, on va commencer. Petite déception, hein, parce que, du coup j'ai déjà ouverte, mais on va commencer par, on va prendre dans l'ordre, ça je vais. Alors, le Radiant Toner qui coûte 15 €, et ça c'est la bonne surprise, voilà. Donc c'est un full size, 200 ml. Donc c'est une lotion tonique, hydroéquilibrante, elles sont très bon. Un peu le concombre, je vais l'enlever. Elles sont un peu le concombre, c'est marrant, c'est sympa. Moi j'ai pas de. J'avais plus de lotion donc ça tombe bien. Elle est fraîche, parce que du coup je l'ai un tout petit peu essayé. Hein. Comme la semaine dernière c'était Morgane. J'ai pas voulu attendre mais je l'ai un petit peu essayé. C'est vrai qu'elle est super fraîche et non c'est un bon point. Donc celle-ci j'ai bien aimé. Bon après j'ai essayé 2-3 fois hein, donc, Ensuite on a le parfum de Adam et Ève. Donc je reviendrai avec une petite vidéo sur Adam et Ève histoire d'en parler un peu. Donc voilà. Donc l'autre parfum. Ah oui, alors faut quand même montrer. Voilà, vous avez le packaging qui est quand même pas mal. Et le parfum. Bref, donc ça s'appelle One. Et oui, bon, bah, l'odeur est sympa, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, mais oui, c'est plutôt sympa, on va dire. Et le parfum, il coûte 10 €. Donc, fragrance sucrée ultra féminine, ultra sensuelle, qui promet plaisir et réveille des sens. On va dire ça. On continue avec une huile sèche, voilà, cacao. Alors ça c'est ma petite déception, parce que il fait 25 ml et je trouve qu'une huile sèche soit un réparateur visage et corps, donc c'est pour les cicatrices, les vergetures, les peaux sèches abîmées, le teint irrégulier et le vieillissement cutané. Donc je trouve ça super sympa. Mais 25 ml, je trouve qu'on n'a pas le temps de voir en fait sur le long terme bah l'action que ça mène quoi. Donc voilà, c'est de Palmer's, donc à la vitamine E. Elle a l'air d'être bien, hein, franchement. Hein. Mais ça va être juste pour l'essayer, la tester et voir vraiment si ça fonctionne quoi. On continue. Acerola Bio. Donc ça c'est ceci. Il y a un truc à couler dans la soupe là. Je sais pas ce que c'est.
si, un truc a coulé. Bah. Donc, quoi dire, quoi dire? Vitamine C, un comprimé par jour, super diète, complément alimentaire. Sympa, on va essayer ça. Ah! 12 comprimés à croquer. Ah, j'aime pas croquer. Ah, je suis pas fan, en fait. Bon, voilà. On continue. Et là j'étais un petit peu triste parce qu'elle était super lourde la Sweetie Box. Je me suis dit, ouais, c'est un super mois, 7 produits, plus que d'habitude, je vais avoir plein de choses. Et en fait, donc c'est ça qui pesait lourd. Et ça, voilà, donc satin care, du gel à raser, tout simplement l'aloe vera de Gillette. Donc ça c'est un peu dommage parce que ça nous fait pas vraiment découvrir un produit qu'on connaît pas. Pas comme Palmer's par contre que je connaissais pas du tout. C'est un peu dommage, Gillette on connaît toutes. Le gel à raser on connaît toutes. L'aloe vera, bon bah voilà, il n'y a rien d'exceptionnel quoi. C'est un peu dommage de mettre ce genre de produit. Même si c'est voilà, c'est toujours en full size, enfin moi j'aime bien. Mais voilà, donc moi c'est des choses en plus, enfin, je suis à l'épilateur, donc je pense que c'est mon mari qui va tester ça. J'aime bien, c'est un bon cobaye mon mari. Voilà. Et le petit bonus, hein, ils appellent ça le petit bonus. Le petit bonus, c'est un bracelet médaille. Apporter, offrir, collectionner, chérir, pour toi ou pour moi. Voilà. Ça fait deux fois que j'ai des bijoux. Il y a vraiment un truc qui a coulé dedans. Pas ce que c'est. Ça fait deux fois que j'ai des bijoux et à chaque fois je suis pas fan fan. Hein. Moi j'aimerais bien qu'ils se mettent plutôt avec des créateurs comme Chloé et Emma qui font des box. Je trouve ça sympa, mais là, en plus c'est vraiment un tout petit poignet. Je sais que j'ai pas des gros poignets, mais bien bon. Pas des gros poignets, mais quand même quoi. Non, c'est juste, hein. C'est juste, juste, hein. Vraiment. Ouais. Bah, c'est sympa l'été, hein. C'est coloré, sexy girl. Mais on voit ça plutôt sur les gamines. Enfin, sans être méchante, hein. Voilà. C'est pas folichon, folichon, quoi. Donc, sexy machin, sexy girl, oui, bon, bah. Je pense que ça va aller, je sais pas, Morgane, si tu le veux. Si tu kiffes ce genre de choses, je te le donne avec plaisir. Ou, je sais pas, je vais rester dans ma commode, quoi, je crois, j'ai l'impression. Hein? Donc voilà. Donc c'est une bonne box pour ceux qui connaissent pas Gillette. Pour ceux qui aiment bien croquer dans les comprimés. Qui ont de la peinture à faire. Moi je suis dans une maison neuve, donc la peinture, c'est bon, tout est fait. Donc, ouais, petite déception pour certains produits maintenant. Voilà, même si il y a quand même le Radiant Toner qui est à 15 euros, il y a quand même l'huile sèche qui est à 9 euros. Donc rien que ça, j'ai déjà remboursé les 13 euros de box. Donc, je peux pas. Voilà. Je peux pas dire, hein, ça reste quand même super super sympa comme box. Donc, voilà, on essaiera les produits, on fera un petit topo sur les produits de la Sweetie avec un petit peu de recul. Donc vivement bah, dans 15 jours de la prochaine, celle de septembre. Donc si vous connaissez ces produits, si vous avez déjà testé, si vous avez reçu la box, je sais que Morgane l'a gagnée du coup. Grâce à un jeu. Donc elle me dira ce qu'elle en a pensé. Et puis bah voilà, on se retrouve donc dans 15 jours pour une petite vidéo, peut-être sur Adam et Ève, pour donner un petit peu mon avis là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se retrouve bientôt.